Dans le contexte du travail avec les puissances, puissance à exposants positif, entier positif, entier négatif ou nul, nous traitons ici une petite vidéo sur le cas particulier des puissances de 10. Alors, bien sûr, si on commence à reprendre les définitions qui ont été vues dans le cas général, si je considère 10 puissance 3, eh bien, c'est bien 10 fois 10 fois 10, 3 fois, si je considère 10 puissance moins 2, c'est par définition 1 sur 10 puissance 2. Donc 1 sur 10 fois 10, c'est-à-dire 1 sur 100. Et 1 sur 100 fait 0,01. On peut encore rappeler que 10 puissance 0 est égal à 1. Donc là, on a transformé une écriture à chaque fois. Une écriture, donc 10 fois 10 fois 10, ici, bien sûr, c'était égal à. À 1000, on a transformé une écriture, une puissance de 10 en écriture décimale. On peut faire le contraire. Si par exemple, je pars de ce nombre-là, euh, qui est 100 000, 1, 2, 3, 4, 5, 0, ça correspond à 10 puissance 5. Ou si je pars de 0,001, mais ici, je vais compter 1, 2, 3, exactement de la même façon qu'ici, je comptais 1, 2, 3, 4, 5, 10 puissance 5, 1, 2, 3, résultat 10 puissance moins 3. Ce qu'on peut vérifier, 10 puissance moins 3 fait bien 1 sur 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1 sur 1000, et 1 millième, s'écrit eh bien, bien comme ceci. Donc si j'avais dernier exemple un nombre très compliqué comme celui-ci, eh il me suffit de regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nombre après la virgule, donc 10 puissance moins 13. Alors quelques exemples maintenant de calcul avec les puissances de 10, 6 exemples. Le premier, A. Qui est égal à 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10 fois 10, pris 4 fois, multiplié par 10 puissance 5, c'est-à-dire 10 multiplié 5 fois avec lui-même, eh bien, bien sûr, ceci revient à avoir pris le nombre 10 9 fois. Donc, la. La propriété des puissances qui est cachée derrière ce calcul, c'est la propriété qui dirait que 10 puissance n fois 10 puissance m est égale à 10 puissance n plus m. Dans cet exemple, n vaut 4, m vaut 5 et n plus m vaut 9. Bien sûr, à ce stade, ceci est valable pour n et m des entiers naturels, c'est-à-dire des entiers positifs. Le deuxième exemple, lui, nous dit que... On va le faire en noir. Voilà, le deuxième exemple nous dit 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 3, fois 10 puissance moins 6, 1 sur 10 puissance 6. Donc, on se retrouve exactement comme tout à l'heure, avec 1 sur 10 fois 10 fois 10 fois 1 sur 10 fois 10 fois 10 fois 10, 6 fois. Et donc finalement, on obtient 1, puisque la multiplication des fractions s'effectue numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur, par 10 qui va apparaître ici 3 fois et encore 6 fois, c'est-à-dire en tout, à nouveau, 9 fois. Donc, j'ai 1 sur 10 puissance 9, ce qui peut également s'écrire 10 puissance moins 9. Ainsi, dans cet exemple, 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 6 donne 10 puissance moins 9. On a également additionné les exposants lorsqu'on a affaire à une multiplication euh, de puissance de 10. Ce qui signifie que ce 10 puissance n fois 10 puissance m égale 10 puissance n plus m, ici, euh, est vrai non seulement pour n et m entiers naturels, mais aussi pour n et m entiers relatifs, c'est-à-dire des entiers qui peuvent être positifs ou négatifs. Alors attention, ce que je suis en train de dire ici, c'est bien sûr, j'affirme une propriété générale sur les puissances de 10, et j'ai illustré avec deux exemples, cette propriété, je n'ai pas démontré cette propriété dans toute sa généralité. Si vous souhaitez avoir une démonstration de cette propriété dans toute sa généralité, il faut regarder une autre petite vidéo qui, elle, ne va s'occuper justement que de démontrer les propriétés des puissances. En toute généralité cette fois. Troisième exemple, c'est qui est égal à 10 sur 10 puissance moins 4. Eh bien, 10 sur 10 puissance moins 4. Je peux l'écrire comme étant 10. Et 10 puissance moins 4 est égal à 1 sur 10 puissance 4. C'est la définition des puissances entières négatives. J'ai maintenant une division de fraction. La division de fraction, c'est la même chose que la multiplication par l'inverse. Hein. Diviser cette fraction 10, c'est comme 10 sur 1, la fraction 10 sur 1 par la fraction 1 sur 10 puissance 4, eh bien, la division des fractions revient à multiplier, ici, vous inversez le rôle du numérateur et dénominateur, ce sont des choses qu'on a vues dans les vidéos qui parlent du calcul de fractions. Donc, je me retrouve avec 10 fois 10 puissance 4 sur 1, qui est bien sûr la même chose que 10 puissance 1 fois 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 puissance 5. Si je regarde l'exemple d, 10 puissance moins 5 sur 10 puissance 3, c'est égal à 1 sur 10 puissance 5, le tout sur 10 puissance 3, puisque 10 puissance moins 5, par définition, des puissances entières négatives, c'est 1 sur 10 puissance 5. Donc, de nouveau, 10 puissance 3, je peux le considérer comme... Euh, 10 puissance 3 sur 1, j'ai une division de fractions, ça fait donc 1 sur 10 puissance 5 fois, je dois ici retourner numérateur et dénominateur, 1 sur 10 puissance 3. Je me retrouve multiplication des fractions avec 1 sur 10 puissance 5 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 8, et 1 sur 10 puissance 8, c'est la même chose que 10 puissance moins 8. Je vais rajouter ici un, un exemple supplémentaire, hein, des primes on va l'appeler. Si je mets 10 puissance 7 sur 10 puissance 5, ben, qu'est-ce que ça fait Ça fait 10 puissance 7, c'est-à-dire 10, 10 fois 10 fois 10 fois 10 7 fois. Et 10 puissance 5, c'est 10, la hein, même chose, fois 10, cette fois-ci, 5 fois. Donc, qu'est-ce que je peux déduire de ceci, je peux déduire que je peux simplifier, puisqu'il y a des multiplications numérateur et dénominateur, simplifier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'est-ce qui me reste Il me reste 10 fois 10 sur 1, c'est-à-dire 10 au carré. Alors si j'observe ces trois exemples, qu'est-ce que je constate Dans le C, 10 sur 10 puissance moins 4, c'est 10 puissance 1 sur 10 puissance moins 4. Qu'est-ce que j'ai fait ici J'ai fait la même chose que 10 puissance 1, celle du numérateur, moins celle du dénominateur. 1 moins moins 4 fait bien 5. Ici si j'avais 10 puissance moins 5 sur 10 puissance 3. Si je fais 10 puissance moins 5, celle du numérateur moins 3, on peut l'écrire comme ça. Hein, moins 5, moins 3 ici. 1, moins 1, moins, moins 4. Moins 5, moins 3. Moins 5, moins 3, ça fait bien moins 8. Et enfin ici, 7, moins 5, fait bien 2. J'ai donc trois illustrations d'une deuxième propriété des puissances qui me dit que 10 puissance n sur 10 puissance m est égal à 10 puissance celui du haut, exposant du haut, moins exposant du bas, toujours pour n et m des entiers relatifs. Exactement comme tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une démonstration. Mais il s'agit de trois exemples qui illustrent cette deuxième propriété du calcul avec les puissances de 10. La démonstration générale peut être trouvée dans une autre vidéo. Voilà, alors avant de faire les deux derniers exemples E et F, je rajoute encore ici deux petits exemples intermédiaires. Des secondes, si je vous avais demandé de calculer 10 puissance 2, à la puissance 3, mais qu'est-ce que ce serait? Ce serait 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2, puisque vous avez une puissance 3 ici, l'objet est multiplié 3 fois par lui-même, et puis 10 puissance 2, c'est 10 2 10 fois 10, qui est pris comme ça, deux fois, deux fois, deux fois. Donc j'ai 3 fois 10 pris deux fois, j'ai donc évidemment 10 qui est pris 3 fois deux fois, c'est-à-dire 6 fois. Si j'avais eu, au lieu de ceci, l'exemple 10 puissance moins 2 pris 3 fois, mais ça aurait été exactement la même chose. 10 moins 2, 10 moins 2 et 10 moins 2. Maintenant, 10 moins 2, c'est 1 sur 10 puissance 2. 1 sur 10 puissance 2. 1 sur 10 puissance 2. Je regroupe tout ça ensemble. J'ai 1 sur 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 6, ou autrement dit 10 puissance moins 6. On arrive donc à la troisième propriété des puissances, qui dit que 10 puissance n puissance m est égal à 10 puissance n fois m, toujours avec bien sûr n et m des entiers relatifs. Et donc la troisième propriété des puissances, pour la dernière fois non démontrée, mais uniquement illustrée. Je peux donc maintenant conclure avec mes deux derniers calculs. E, donc 10 puissance 2 puissance moins 6, troisième propriété, puissance de puissance, je multiplie. Donc moins 2 fois moins 6 fait moins fois moins plus 12. Et 10 puissance 3 fois moins 2 puissance de puissance, 3 fois moins 2 qui fait moins 6. J'ai ensuite une multiplication de puissance de 10, je dois donc additionner les exposants, 12 plus moins 6, ou 12 moins 6 qui fait 10 puissance 6. Mais attention pour le calcul f De la même façon, 10 puissance moins 2 moins 6, c'est évidemment la même chose, fait 10 puissance 12, plus cette fois-ci le 10 puissance moins 6. À partir du moment où vous avez ici une addition, vous ne pouvez pas réduire. Cette écriture, donc 10 puissance n plus 10 puissance m, ne peut euh, être réduit. Nous avons donc en résumé les trois propriétés des puissances que nous avons explorées. Donc multiplier des puissances de 10, on additionne les exposants. Diviser les puissances de 10, on soustrait les exposants. Puissance de puissance, on multiplie les exposants. Alors que lorsqu'il y a une somme, ou d'ailleurs de la même façon, on pourrait ajouter une différence, on ne peut pas réduire ces expressions.